Allô? Oui? Ça va bien, merci. Ah oui, ça tombe bien, hein? Je suis à l'aéroport, je passe vous voir, vous êtes tout prêt. Très bien. À tout à l'heure. De recharge a été. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Voici ma marraine. Elle est venue nous chercher. Ah non, pas maintenant. Pas comme si tu ne la vois pas. On ne peut pas faire ça. Allons à voyager. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, c'est pas grave. Il aime Papa Marie. Allô? Elle vient d'appeler. Non, non, je suis à Computer World, je vérifie mon email. Alors, j'ai encore deux, trois petites courses à faire, je serai au bureau dans quelques instants. C'est ça. Donc, si elle arrive, elle peut m'attendre. D'accord? À tout à l'heure. Allez, merci, à bientôt. Hein. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Passe me voir au bureau. Non, 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 je serai en vacances cette semaine. Appelle-moi sur mon cellulaire, le 558, d'accord? Ok. Je suis pressé, je peux pas rester. Allez, à bientôt. Celle-là t'irait bien. Comment vas-tu, chère? Je vais bien, merci, pour toi. As-tu reçu la carte de Joël? Bien sûr, je l'ai reçue. Très bien. Les travaux, les lunettes sont prêtes. Ah, merci beaucoup. Combien vous dois-je? Votre l'air a déjà payé. Excuse-moi, Roger. On se voit, hein? À plus tard. D'accord, à plus tard. D'accord, bye bye. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. Merci, mes travaux. À bientôt. Au revoir. J'ai reçu ceci pour vous ce matin. Le reste du courrier est déjà sur votre bureau. Merci. Madame Sajous est déjà arrivée. Elle attend à l'intérieur. D'accord. Oh, j'oubliais. Officetar a livré le bureau pour la nouvelle stagiaire. Le chèque est déjà prêt. Il ne manque que votre signature. Très bien. Roger, comment vas-tu? Pas aussi bien que toi, chère. Tu as la mine fraîche. Merci, c'est gentil. Nous avons reçu cette lettre ce matin. Ça a l'air d'être assez important. Ah, ok. Je suis au courant. Je suis passé voir le directeur en rentrant.
Comment vas-tu, Roger? Ça va bien, Paul. Il s'agit d'un contrat à finaliser avec le ministère des Travaux Publics. Je veux que tu t'en occupes personnellement. C'est urgent, d'accord? Parfait. Roger. Magali. Ça va bien? Ça va. Bien, je te présente la nouvelle stagiaire, Mademoiselle Hilaire. Mademoiselle Hilaire, asseyez-vous, je vous en prie. J'ai été agréablement impressionné par votre dossier. Merci. Lauréate de votre promotion, n'est-ce pas? Bien sûr. Bienvenue au cabinet Rabot. Vous êtes ici entre de bonnes mains. Magali va bien prendre soin de vous, n'est-ce pas, Magali? Ça, c'est sûr. Bon, ça va? Très bien, Roger. Je vais te voir à mon bureau tout à l'heure, d'accord? D'accord. Mademoiselle, n'oubliez pas de remettre au courrier le paquet pour Washington, d'accord? C'est déjà fait, maître Abou. 24 heures comme d'habitude? Comme d'habitude, maître Abou. Très bien. Madame Salmous, comment ça va? Je suis Roger Abou. Cabinet Rabot, bonsoir. Oui, un instant, je vous prie. Que loin que venir vous voir, maître Rabot? Eh bien, je vous appellerai dès que je recevrai le jugement du tribunal. Vous savez, ça peut prendre du temps, mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Je ne sais comment vous remercier, maître. Combien vous dois-je? À peu près 1 000 000 de gourdes. Mais non, je plaisante, madame. Je vous enverrai ma note dès que le jugement sera prononcé. D'accord? Merci, maître. D'accord. Merci. Allez, bonne fin de journée. Mademoiselle, accompagne madame et veillez à ce que rien ne lui arrive à l'escalier, d'accord? Très bien. Maître Rabot, votre mère est en ligne. Merci. Charmant garçon, n'est-ce pas? Est-il marié? Non, seriez-vous intéressé? Si j'étais plus jeune, peut-être. Je pensais plutôt à ma petite nièce. Ah, vous allez en ville aujourd'hui? Tu as demandé à Fifi de mettre du sucre dans ton thé? Tu sais très bien que tu ne devrais pas en prendre. Le médecin te l'a formellement interdit. Mon fils, il faut une cause pour mourir. Je me sens là, pas quoi m'a fait nuit là. Ça fait déjà 10 ans que tu dis la même chose. Vois ça, c'est tout bon. Tu veux que je te rapporte quelque chose? Passe à la pharmacie. Achète-moi du Tylenol. Mon flacon est terminé. Et n'oublie pas mes verres à Optica. Déjà fait, main. Tu vois que je pense à toi? Très bien. À plus tard. Ma? Maman? Oh, pardon. Cabinet Rabot, puis-je vous aider? C'est Rachel, Roger. Comment tu ne reconnais plus ma voix? Ah, mon cher, moi de fou. Ah, Rachel, quel miracle. Il va pleuvoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui me vaut cet appel après ce long silence? Je voulais avoir de tes nouvelles, savoir si tu es toujours disponible. J'ai une proposition indécente à te faire. Passe me voir ce soir, je serai seule. C'est tentant. Tentant. Mais je t'apprends que je vais me fiancer ce soir. Oh. Et c'est seulement maintenant que tu me le dis. C'est seulement maintenant que tu appelles, écoute. Écoute, je ne peux pas rester, je suis pressé, on se reparle, d'accord? Mais attends. C'est avec Joanne que tu te maries? Mais qui a parlé de mariage? Je te dis que je me fiance ce soir. C'est bien avec Joanne que je me fiance. Je ne te fais pas mes compliments, mon cher. Tu aurais pu choisir mieux. Merci, ma chère, à bientôt. Je ne t'ai pas demandé ton opinion, toi. Mademoiselle! Mademoiselle Garout est sur la deuxième ligne. Qu'est-ce que je lui dis? C'est la troisième fois qu'elle appelle. Je ne veux plus recevoir d'appel, d'accord? Ça va, je prends. Allô? Avec qui tu étais au téléphone? As-tu oublié les bonnes manières, ma chère? Bonsoir, chérie, comment vas-tu? Je vais bien. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Eh bien, ma chérie, j'ai reçu des appels de mes clients, de ma mère, et de personnes qui me font des propositions indécentes. Tu n'aurais pas d'autres questions par hasard? Qu'est-ce que tu fais toujours au bureau? Je m'apprêtais à partir. À quel point es-tu avec les préparatifs pour ce soir? Si tu étais vraiment intéressé, tu serais déjà ici. Ah, je te fais remarquer que tu me fais encore une scène. Je n'aime pas ça du tout. Je m'en fous que tu n'aimes pas ça. Depuis ce matin, je me démerde. Et moi, qu'est-ce que tu penses que je fous au bureau? Que je perds mon temps? Pourquoi tu t'excites comme ça? Et maintenant, tu trouves drôle que je m'excite, hein? Maître, excusez-moi de vous déranger. Monsieur François est sur la troisième ligne. Mais je suis pas là, vous voyez que je suis là? Non, je suis pas là! Vous pouvez déposer ces papiers sur le bureau et partez. Passez de bonnes vacances, maître. C'est ça. Écoute, je ferme, hein. On se voit plus tard. Tiens. Il m'a fermé le téléphone au nez. M'a fait le payer, me sachet. Et de quoi te plains-tu? Depuis ce jour, t'as pas la velle, mais t'es ouais, ça pour. Maman, ne te mêle pas de mes affaires, je t'en prie. Monsieur papa, ça me fait ma payer. Mademoiselle.
Merci beaucoup. Au revoir, maître. C'est euphorie. Ah, moi j'ai senti bon, papa. Je fais pour les salles et ma petite peau. Ok, d'accord. Ah, la malade, bien, bon appétit. Bonsoir, maman. Comment vas-tu? Tiens, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais? M'a pris les sous-comme, pour moi, si m'a accompagné ou à soir. Mais non, pas besoin de faire ça. Tout pour comprendre que pas de cavini. Faut-tu coucher pour reposer au plafond? Mais bon, brosse, mais je me peigne. Si mourir à soir. Femme belle, ma jeune papa. C'est date, papa Mouel, que tu as venu dans le bouteillier. Pas permettre. Ton père a toujours été un homme fidèle. Voilà, malade, pas qu'on plaisante. Pardon, cher. Pardon, je vais me préparer. Hein. Réponds pour moi, s'il te plaît. C'est-tu mon Mouel qui a pris mon dernier zin? Allô? Mais qu'est-ce que tu fais encore? Déjà, commence à arriver, hein? Non, je viens juste te rentrer. Merci d'être venu. Je parle à ma mère qui ne se porte pas très bien. Mon cher, il te faut vraiment fixer tes priorités, hein? Comment? Amène-toi vite, tout le monde t'attend. Comment ça va? Oui, ça va? C'était qui? C'était Joël. Je vais me préparer. Ah, bonsoir. Comment ça va? Ça va, on t'a apporté un petit cadeau, c'est rien d'extraordinaire. Ah, merci beaucoup, vous n'auriez pas dû. Je l'ouvrirai tout à l'heure. Vous connaissez les autres? Mais bien sûr. Je sais que tu es de fou, hein, Mona, alors t'occupe pas de nous, on va faire comme chez soi. Ah, d'accord. Ta coupe est bien belle, ma chère, mes compliments. Merci, Joanne, à tout à l'heure. D'accord. Hé, hey, comment vas-tu, Joanne? Ça va, mes merci. Compliments. Ah, merci, merci. Et où est le fiancé? Autant, comme d'habitude. Venez, je vais vous présenter aux autres. Qui est là? C'est moi. Entre donc, maman. Ça va mieux pour toi? Ça va mieux. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Laisse, je ferai mon retour. Qu'est-ce que tu as mon occupation, notre garçon? Tu dois te reposer si tu as l'intention d'aller rejoindre papa. Fais-moi comprendre la pointe Viagra quand elle y a comme ça. Je te trouve un peu soucieux ce soir. Tu es sûr que tout va bien? Ça va. Ça aurait pu aller mieux, mais ça va. Tu es sûr de ce que tu fais? Écoute, je ne veux pas me mêler de tes affaires. Mais si tu as envie de parler, n'hésite surtout pas. Je prie pour toi, fiston. Je m'en souviendrai. Tu ne manges pas avant de partir? Non, 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 je n'aurai pas le temps. Je suis déjà en retard. Allez, oh bah chérie. À plus tard. Et ta cravate? Non, tenue décontractée ce soir. Merci. Ça va pour vous? Merci. D'accord. Hello. Joanne, comment ça va? Ça va, merci. Ma chère, mes compliments, t'as fait de très ici. Merci, merci. Mais où est Roger? Ah, il va pas tarder à arriver. Vous êtes servi, je vois. Bien sûr. Ah, d'accord. T'as oublié vraiment, je dis. Ah, merci, tu es gentil. Ça va. Tout à l'heure. Allô, et pour vous? Ça va. Vous amusez? Ça va. Ah, d'accord, très bien. Ah. Oh, excusez-moi, hein, j'arrive. Mais on est tellement perdu une enfant, mon Dieu. Je suis vraiment désolé. Mais non, c'est pas grave. La fête ne fait que commencer. Je vais m'en occuper tout de suite, d'accord? Je t'en remercie. Nous trouvons mademoiselle gentille à soi. Un bagage qui n'est pas normal. Ah! Te voilà!
Excuse mon retard, chérie. Mais non, c'est pas grave, je comprends. Il faudra t'excuser auprès des autres. Hein. Mais je le ferai. Okay. Mes compliments. Merci. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Tout droit à gauche. Merci. Alors, mon amour, où elle se trouve cette bague? Ah, la bague. La bague. Voyons. Elle est belle, chérie. Merci. Tu trouves? Oh, elle est belle. Regarde. Regarde comment elle me va. Maintenant, tu ne trouves pas? Maintenant. Tu as du goût. Allons la montrer à maman. Vas-y, je te rejoins. D'accord. Monsieur, comment il est là? Encore, mon corps. Vous m'envoyez la guerre sociale, je suis célibataire, papa. Hein? Monsieur. C'est comme ça. Si tu n'étais pas là, je me serais fiancé à ta place. Si tu aurais dû, mon cher. Si tu me déroulais là, m'a venu. T'as dit non en vacances. Eh bien, mon cher, moi, j'ai pris 2 semaines de vacances. Fatigué, j'ai besoin de déconnecter. Roger, à ton bonheur, monsieur. Votre santé. Demain, pas dit non, Jacques-Mère. Viens avec moi. Pas capable. Viens, Thomas, avec vous ici. Monsieur, la boîte à main, ok? À tout à l'heure, Roger. Allez, je vais. Elle est magnifique. Merci. Bonsoir, mamie. Comment vas-tu, chérie? Coussi, coussa. On essaie de garder le moral. Bon, il y a un bon qui vit, là. Chérie, tu vas te salir les mains. Ma chérie, je le laverai. Joanne, il y a quelqu'un qui te demande. Oh, j'arrive. Elle est vraiment belle, la bague. Merci, chérie. Mais c'est dommage que ta mère ne puisse pas être des nôtres ce soir. Je l'ai appelée tout à l'heure. Il semble que la grippe la fatigue. Il est bon. On va finir. Vas-y, sers-toi. Tu as dû l'acheter cher. Quoi? La bague. Non, 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 non. Écoute, je reviens tout à l'heure, je vais saluer les autres, d'accord? Quelle surprise! Mais tu n'as pas changé du tout, toi! Toi non plus, tu n'as pas changé. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ma chère, comme tu vois, ce sont mes fiancés, ça tombe bien que tu sois passée. Je suis contente que tu es rentrée cet après-midi. D'ailleurs, tu es la première personne que je visite. Ah, j'aurais pas voulu autrement. Regardez-les. Maman serait tellement contente de te voir. Joanne, regarde ma tenue. Mais non, ma chère, c'est pas grave, ça fait. Viens, allons là. Hé, hey, qui est celui qui me vend la vie? Il est beau, j'espère? Je ne pense pas que tu le connaisses. Tu le rencontreras plus tard. Viens là. D'accord. Maman, devine qui est là. Oh, Gallo Moon, comment vas-tu? Ça va, et toi? Je suis vraiment contente de te voir. Tu as bien grandi. Merci. Toi, tu parais très jeune, toi. Écoute, on peut le faire autrement. Définitivement. Excusez-moi, Roger, je te présente à Gallo. On continue cette discussion plus tard. Et ta maman, comment va-t-elle? Elle va très bien, merci. Déborah, je te présente Roger. Non. Roger Rabot? Déborah Richard, comment vas-tu? Écoute, incroyable, mais où étais-tu passée? Depuis mon départ, je ne suis jamais revenue. Mais qu'est-ce que tu deviens, mariée, fiancée? Ni l'un ni l'autre. Je vois d'ailleurs que tu m'as divorcée. Eh ben, t'as un peu grossi. Et toi, tu as embelli, chère. Alors, vous connaissiez déjà? Mais ça fait une éternité. On était pratiquement voisins lorsqu'on était plus jeunes. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. Plaisir partagé, ma chère. Tu passes combien de temps? Je suis ici pour 15 jours. Écoute, viens, je vais te présenter les amis. Déborah, je te présente Philippe. Enchanté. Patrick. Enchanté, Grégory et Sébastien. Bonsoir. Enchanté. Enchanté, mademoiselle. Mais je vous en prie, tenez nos compagnies. Mettez-vous ici de préférence, vous serez plus à l'aise. Vas-y, ils sont pas méchants, ce sont mes amis. Écoute, je t'apporte quelque chose à boire. Un verre de vin, du rouge, je t'en prie. D'accord, à tout à l'heure. Comment se fait-il que vous ne l'avez jamais croisé? Alors, ça fait longtemps que vous vous connaissez? Oh, longtemps, très longtemps. On a passé des moments inoubliables ensemble quand on était plus jeunes. Je peux m'imaginer au sourire que je vois sur ton visage. Joanne, ne va surtout pas t'imaginer des choses maintenant. Où est-ce que tu vas? Écoute, je vais apporter un verre de vin à Déborah si tu me le permets. Tu vas trinquer avec elle? Mais pourquoi restes-tu ici? Viens nous rejoindre. J'ai pas fini de te parler. Tu la trouves belle? Elle est très gentille, elle est très mignonne. Mais pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'elle avant? Joanne, je ne sais pas exactement à quoi tu veux en venir, mais n'oublie pas que nous avons des invités ce soir. J'ai l'impression que tu veux me faire une scène. Je m'en fous des invités. J'en ai marre de tes sentiments d'insécurité. Roger, ne me tourne pas le dos quand je te parle. Alors, merde! C'est quoi? Bah, la grave à jouer. Non, pas grave, sérieux. Ah, moi, bah, la miel, pour. Pas inquiétant. Qu'est-ce que tu portez-vous bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye-bye. Allez, bye-bye. Bonne route. Merci. Cher, compliment. C'était très bien. Comment vous partez déjà? Oui, il faut absolument partir. Les enfants sont seuls à la maison. Bon, je comprends bien. Merci d'être venu. D'accord, il n'y a pas de quoi. Bonne soirée. Allez. Merci, Roger. Je vois qu'elle n'a pas beaucoup changé ta fiancée. Ouais, ouais. Allez, je dois partir. Mais pas toi, tu n'as pas encore visé ton verre. Je suis fatiguée. Je dois aller me reposer après ce long voyage. Ouais, je comprends. Allez, courage.
Dis à Joanne que je l'appelle demain. D'accord, je vais lui dire. Allez, bye bye. Ah, mamie, quelle affaire! Philippe, ton invitation tient toujours pour Jacquemelle? Écoute, si tu emmènes Déborah, je t'emmène. On va te faire voir ailleurs, mon cher. Écoute, tu vas pas me faire une scène quand même. Patrick, faut dire à l'antique. Oh maman, Dios mio. Monsieur, ça sont timon, bon Dieu, fait avec deux mains. Mademoiselle, on vous dépose? Non, merci. Mais je me permets d'insister. J'ai horreur que les gens insistent quand je dis non. Alors Philippe, monte, on est pressé. Oui, papi. Les gars, tu viens garder pour mon homicide, bah oui. On n'a pas aucun respect pour tout le monde. On n'a pas été mon ancien cimetière sorti. Monsieur, il y a raison, mon cher Philippe. Non, mais c'est consolé, je devais consoler, ça ne te comprend pas. On allait. Et puis, vous savez, monter sur le dôme. On allait, montez machine, on allait, on s'en va. Allez, dépêche-toi. Un ami, il vient très rarement. Il y a combien de chambres à coucher? Je crois qu'il y a environ 3 chambres à coucher. Je ne sais pas si on y va l'homme et on l'autre, c'est pas moi en tout cas. Ah. Je ne sais pas, j'aime quand même quelques visites. Hein. Je partage ma chambre avec toi, Patrick. Ah non, pas ça. Où on fait une dormir et puis on sentit maillasse. Merde, j'ai oublié ma brosse à dents. Qu'est-ce qu'il y a dans le restaurant? Attention, pas de bêtises. Voilà, monsieur. Voilà, qu'est-ce que vous parlez? Voilà. Il ne s'arrête pas, monsieur. Bonsoir, qu'est-ce que vous prenez? Je me disais en vous regardant que le ciel a perdu un ange. Ouais, je vois. Et maintenant, qu'est-ce que vous buvez? Je me demandais, sans vouloir vous importuner, si vous accepteriez de sortir avec moi. Jeune homme, vous êtes dans un restaurant, pas dans un bordel. Si vous voulez manger, allez rejoindre vos amis et je vous envoie un serveur. OK? Well... OK.
Philippe, qu'est-ce que tu as encore? Ah, monsieur, bonjour. C'est un bon moment ici, ton beau d'année. Mon cher, merci, j'en ai vraiment grand besoin. Il n'y a vraiment pas de quoi. Monsieur, comment on voit son beau sel? Qu'est-ce que tu veux? Oh, j'ai fini, ma vie. Monsieur, il va essayer de sauver la race, qui sait. Il ne pourra pas aller. Regardez, regardez. Hein. Bonsoir. Bonsoir, que puis-je faire pour vous? Bon. Votre ami a échoué. Vous pensez pouvoir réussir, vous? La réponse est non. C'est justement pour vous présenter des excuses que je suis là. Notre comportement a été cavalier aujourd'hui. Je vous prie de nous pardonner. Je présente Roger Rabot. Sarah Desjans. Seriez-vous la fille du notaire Desjans? Non, je porte le nom de famille de ma mère. Ah bon, je vois. Vous avez déjà commandé? Oh oui, nous avons une faim de loup. Vous serez servi dans quelques instants. Merci. Dites, c'est à vous ce restaurant? Non, il appartient à ma tante, je travaille ici. Disons que je donne un coup de main. Et vous, vous êtes de passage? Bon, nous sommes ici seulement pour une ou deux semaines. Nous ne connaissons pas encore Jacques Mel, nous aimerions bien visiter. Vous savez, on pensait à vous demander... Laissez tomber. Vous pensez à me demander? Vu ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis sûr que vous n'accepterez pas de toute façon. Dites quand même. Bon, on pensait à vous demander de nous servir de guide. Vous êtes coquin, vous. Mais pourquoi dites-vous ça? Votre ami vient de la manière forte, mais vous, vous utilisez des stratégies assez subtiles. J'étais sûr que vous alliez le prendre de cette manière. Écoutez, donnez-moi un mandita, je vous en prie. Cela vous fait 5 gourdes. Mettez-le sur ma note. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ah bon? Maintenant, c'est vous qui me faites des propositions? Non, je voulais juste vous faire savoir qu'il y a une belle soirée au club littéraire, c'est tout. Si vous voulez venir, venez-y, mais... Cela m'étonnerait. Merci quand même. Où ça te prend pas? Tiens, c'est pour ton haleine. Ça. Il n'y a pas les côtés, nous, frère. Monsieur, programme n'a pas, c'est notre club littéraire. Club littéraire? Comment on a montré avec ma boy ici? Monsieur, comme c'est pas mon côté, l'anti-ballon, mon gars, là, soit. Monsieur, moi, je regrette ça pour nous. Même pas la donne, fatigué, fini de manger là, je prends le dormir, ok? Moi aussi. Très bien, j'irai seul. Papa, mon Dieu, tant de prier, moi. C'est où pour moi? C'est où pour sauver? Où sont les autres? Au lit, ils ont préféré dormir. On m'a dit qu'elle a une présence sur scène sans pareil. On va voir.
Merci de m'avoir invité. Vous êtes venu en retard. Vous avez raté de très belles prestations. À Moscou, j'étais là avec sa guitare et on a eu de très beaux textes de, comment il s'appelle encore, René Dépestre. Je connais un très beau texte d'un auteur jacmélien. Jacmel au clair de lune. Me voici transporté dans un monde nouveau, grâce à vous, astre d'or, aux lunes pures flambeaux. Au balcon accoudé, vers la voûte étoilée, ma prunelle se meut de mes larmes voilées. Quelle sérénité dans les terres éclatants. Je ne me souviens pas du reste. Pas mal, quand même. Je n'ai pas eu le plaisir d'être présenté à votre mari. Mon mari? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je suis mariée? Ah, la bague, non, c'est la bague de ma mère. Ce monsieur est un très bon ami à moi. Jacques, c'est Roger. Roger est de passage à Jacmel. Enchanté, Roger. Enchanté. Sarah, je rentre. Oh, ok. On se voit demain? D'accord, très bien. Bon séjour. Merci. Au revoir. Bonsoir. Alors, si on brisait la glace, on se disait-tu? D'accord. Alors, tu vas où ce soir? Je vais chez l'aide d'Ambreville, vous connaissez? Je croyais qu'on se disait-tu. Ok, d'accord. Est-ce que tu sais où c'est? Oui, je n'habite pas très loin. On y va ensemble? D'accord, on fait la route ensemble. Ok. À part le restaurant, je suis déco par correspondance. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, je plaide les bonnes et parfois les mauvaises causes. Je suis avocat. Qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai besoin de tes services. Bon ben, je suis arrivée. Déjà. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Écoute, tu continues tout droit et tu seras chez toi. Sarah, merci beaucoup pour la soirée. J'espère te revoir bientôt. Moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu es encore là, mais tu vas pas rester planté devant la barrière toute la nuit. Non, 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 je m'apprêtais à partir. Et dis, pourquoi tu as ouvert la barrière? Tu t'attendais à me voir planté là? Non, enfin, à vrai dire, oui. Écoute, j'accepte de te servir de guide. Je m'arrangerai avec ma tante pour qu'elle tienne le restaurant. C'est, ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vacances. Donc tu passes me prendre ici demain à 8h? Demain 8h, d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Monsieur Debord, il n'y a pas de feu dans le canon, ça peut se passer dans l'aigle que tu as boit matin. Mais nous avons 8h, où est-ce qu'il est là? 9h30. Mais certainement. Depuis quand? J'ai même pas encore mangé. Attendez, 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 monsieur. Est-ce qu'au moins le bon tisseur ou un petit cousin au moins, ou bien n'importe tes amis, il n'y a pas de problème? De toute façon, je vais te faire. Vous prenez le verre, la vie, je vais même. Pourquoi Kaila, Philippe? Non. Ok, bah, je ne vais pas rester la journée ici. Il est obligé de partir, mon cher. Tu viens juste de rencontrer ces gars-là et tu t'aventures déjà avec eux. Bon, ça pour nous, c'est pas qu'elles aient pour ton prince. Tantilda, ne t'inquiète pas pour moi. Ils ont l'air décents. Ils ont tous l'air décents, mais y en a-t-il un particulièrement qui a l'air décent? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je n'aime pas beaucoup ça. Pas du tout. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ah, voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Excuse notre retard. Hein. Mais vous n'êtes pas si en retard que ça. Mais rentrez, non, restez pas dehors, rentrez, venez. Hello. Bonsoir. Tantilda, je te présente Roger et... Bonjour, madame. Bonjour. Philippe. Bonjour. Enchanté. C'est Grégory. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va, messieurs? Très bien, merci. Ça va, merci. Bon, ça aurait pu aller mieux. Vous avez déjà pris votre petit déjeuner? Non. Eh oui, merci madame, merci. Appelez-moi Tantilda, c'est ainsi que tout le monde m'appelle par ici. Alors comme ça, vous visitez Jacmel? Oui, nous visitons Jacmel et nous sommes très reconnaissants à votre nièce de nous servir de guide. Ça oui. Écoutez, vous avez mon seul bien en main. S'il lui arrive quelque chose, je vous fais pendre. Ne vous inquiétez pas madame, elle est entre de bonnes mains. On va bien prendre soin d'elle. Mais je peux très bien me défendre toute seule. Alors on y va?
Au revoir, tante Hilda. Au revoir, tante Hilda. Au revoir, tante Hilda. Au revoir, madame. Fais attention à toi, ok? Ça se t'inquiétait, tante Hilda. Je t'avais dit qu'ils avaient l'air décents, n'est-ce pas? L'air, peut-être. Mais sont-ils vraiment décents? Ça, c'est une autre paire de manches. Enfin, allez, vas-y, ne rentre pas trop tard. Ben, tante Hilda. Ouais. Où est-ce qu'on va? De ce côté. Allons-y. Ok. Ouais, je disais. Alors, oui, au restaurant, je vous dis à toi. Vous êtes des aventuriers très audacieux. Tu veux danser? Pas très bien danser. C'est rien, moi non plus. Allez, ça va. Allons-y. Écoutez, il y a les juges qui vous observent. On vous regarde. Qu'est-ce que l'air pour tous? Vous avez dit que vous ne savez pas très bien danser. C'est peut-être pour ça qu'on danse aussi bien dans ça. Alors comme ça, tu repars dans 2 jours. Eh oui. J'aurais bien aimé rester plus longtemps. Hein. Je n'oublierai jamais ce séjour à Jacmel. Tu reviendras, j'espère. Oh, ça c'est certain. Sarah, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Cela a été un plaisir pour moi. Tu sais, j'ai une question cliché. Je voudrais quand même te la poser. Vas-y, je t'écoute. Je me demande comment une aussi belle, charmante et instruite jeune fille comme toi n'est pas quelqu'un dans sa vie. Tu sais, cela prend du temps pour s'instruire. Et cela me laisse très peu de temps pour autre chose. Mmh. Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est une longue histoire. Je t'écoute. Voilà. Ma tante me racontait que ma mère adolescente était bien élevée, une gentille fille, mais un peu naïve. Ma grand-mère était très sévère avec elle, bien qu'elle n'avait pas grand-chose à lui reprocher, contrairement aux autres jeunes filles. Tu sais qu'elle s'appelait Adeline? Mais elle avait des amis pas très, très catholiques, comme on dit. Et un jour... Un jour, après les classes, elle se prélassait avec quelques camarades sur la cour de l'école. Sauf ce week-end, ça. Moi, je ne sais pas où ça m'a fait, non, pas le week-end. Je ne sais pas ce que je vais faire, non, ce week-end. Je vais essayer de passer la cour, mes chers élèves. Monsieur.
Ses camarades l'aimaient beaucoup pour sa simplicité et sa franchise. Il y en avait une parmi elles qui était particulièrement proche d'elle. Elle s'appelait Gisela. C'était la fofolle du groupe. Là, elle va me diriger comme ça, me sentir blessée. Ok, ok, on compte comme ça aujourd'hui. Ok, les poils réglent nos bagailles. Eh, mesdames, prenez une balle là. On va faire un petit tour, mesdames. C'est pas sérieux? Moi, même quand Bobota nous est arrivé dans le carrefour là. Non, non, les gars, on fait intéressant là. On est là à pied là, on vient faire intéressant. On vient d'abord rouler, on va faire intéressant. Oui, bye bye. Bye bye. C'est pas sérieux ça, non? On a fait des nuits, monsieur. Ou pas, ou pas, Adeline, qu'est-ce que tu as? Sans gagner un figure de mari comme ça aujourd'hui. Directeur, oui. Libère même qu'à parler créole sur la cour d'école, libère même 500 lignes pour l'instant. Tant pis, tant pis, papa, l'aime de nex ça, m'a pas qu'à sentir. Tu veux que l'album ligne comme ça pour me faire? M'a pas fait de faire un coup, moi. Oh, à Gislaine, tu exagères. Oh, pour qu'ils soient de ménage. Puis ça, franchement. Comme si le temps de parler de lui. Bon, ça fait la chérie. Fin ba mande vous sous-chan ma se bigade kotoye. Et bon, jeune moui, so gen la. Bon, parlez, oui, mesdames. Bye bye. Bye. Son machine nous juste à déplacer le poussin, mais. Et puis, son kon de machine. Qui laisse qu'à parler? Parce que je vous ai un DKW pour dire que ça va gagner. Quoi, moi, dem, ça me kon de machine. Ah non. Ça, c'est pas vrai, François. Bob, c'est pas vrai. Bob, gade m'nage, je dis, c'est pas vrai. Monsieur! Bon, ma kon d'assure. Bon, bon. Ça gagne. Quand tu laisses ce qu'à venir là. Jésus! Non mais bravo l'enfant! Doucement frère, petit les anges qui sont dans le ciel. Il va vous s'en arrêter d'un coup. Ah, n'est-ce que toi, papa? Bonsoir, mademoiselle. Bob Malé. Mais papa, c'est comme ça? Elle fout les vieux, nos garçons. On va vous l'autre pour nous gagner, guest. Pas d'affaire, moi, comme ça, le voisin, non? Hein? Un bel petit en cours. C'est possible, bon Dieu, fait avec deux, mais on t'y tout à fait pour moi. Vous connaissez? Depuis moi, je ne pas dans le cafou, je me sens tout comme tremblé. C'est vrai, regardez, jusqu'à présent, même. Ah, mes petits sourires. Merci, Jésus. François! François! Je m'attends, mon cher. Je l'ai appelé à la scène de mon petit gun là, mon cher. Je m'attends. Regardez, j'ai trois frescos, moi, s'il vous plaît. Trois frescos, tout le monde arrive là. Bon, si c'est l'argent, ça me gagne. Mon jeune Jean. Ah, pour où, chérie? Comment tu t'appelles? Écoute, tu me réponds pas. Pourquoi fais-moi la peine, chérie? Pas suivre, moi, petit garçon. Moi, pas aimer ça. Petit garçon? Écoute, mon nom, c'est François. Mais tu peux m'appeler François. Et toi? Tu peux pas attendre de me pas suivre, moi. Mais, écoute. Où est-ce qu'on fait? Adeline. Tu es content? Je vais aimer te revoir. Pas moi. Tu as un numéro, je pourrais t'appeler. Non. Écoute, je te donne mon numéro. Tu m'appelles? Ok, mais à condition que vous ne pas suivre moi encore. D'accord, d'accord. C'est 2 2 0 7 3 3. C'est ça, François. François. Ok. Tu m'appelles, hein? Tu m'appelles, ok? Maman n'avait jamais eu de petit ami. Ce François qu'elle venait de rencontrer, bien que l'importunant au début, lui plaisait en fin de compte. Son mari qui vivait tout le temps, puis il y a tout son pavé. Comme ta web, ta quoi. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Adeline. Adeline, où reconnais-tu dame ça? Non, devinez, non. Certainement, mon cher, est-ce mon Katia, oui. C'est pas vrai. Par contre, tu es mauvais nègre comme ça, non. Ou bien bon bagage ça sur Katia, on va me dire ça. Si mon savant, ça, c'est pour le coquet. Vas-y, dame ça. Je vais mettre même dans du feu. Ou pas entendre l'an, qu'il est stéré ou mettre sur le bonheur. Mais c'est ça même, ma chaché. Maman, il y a quoi ça va tout? Dame, on va pas m'occuper, même mon cher. Ça, on connaît, c'est votre là même y a cherché pour passer, mais. Alors, qu'on y a un tableau qui est bon, Timoun, ça, non? Posez quoi, côté là, de papa? Puis, on a déjà dit ça, bon Timoun, ça va exister encore. Mais oui, vous faites gâter, yo. Hein? C'est gâter, yo, gâter, là, comme ça? Ou on va connaître? Bon, tu fais me connaître. Maman, tu dames, on sentit bec fait. T'as fait tout dans toute tête, ou? Malène, petite, m'a gagné pour. Cadou, belle, bab, marine, femme, cadeau.
Allons, belle bague, Mathilde. En quelle occasion vous regardez le bague ça? Comment ça, en quelle occasion ça? Bon, c'est jour de ma mounot, quelqu'un tant feeling. Après tout le temps, il y a ça. Vous êtes sorti en bagolo? Comment en bagolo? Il y a des chèques capables de pas souffrir. Merci, un petit bague, moi, un coup, il y a un bal, bye, Adeline. C'est jour de la pandémie. Adeline? Comme si Adeline était dans un bague. Oh, Adeline, c'est une demoiselle. Oh, qui nous tombe pas, Wally. M'a bien content, Wally. Eh bien, t'as l'air venu. Wap, Wally? Bonjour, maman. Ah, Adeline, chérie, comment est-ce que tu veux rentrer tard aujourd'hui? À quoi tu es comme ça? Je ne vais pas rentrer tard parce que ça, non, maman. Rentrer tard? Mais tu vas te payer moi de maintenant. Pas oublier, c'est bague noce, moi. Sérieux, parle avec la clé. Merci, okay? Maman. Ok, chérie. Je me développe petit bague ça. Et pas de baroule. Pas de monde qui est dans le téléphone, maman. Ah, ah, cool, c'est moi qui secrétaire ou. Et pour pas saluer Malène. Oh, excusez-moi, bonjour Malène. Comment vous êtes, chérie? Oh, oh, Adeline, c'est quoi ça me dit que vous m'achetez le bon Malène? L'état, comment vous êtes? Vous êtes très drôle, Mathilde. À l'âge, mon prince, c'est un gros petit fille comme ça. Oh, quel âge, maman? Pour t'en dire, comment c'est l'âge où vous êtes caché? Parce que je dis que vous êtes sorti l'Allemagne à la depuis longtemps. C'est quoi ça, Mathilde? Mathilde, compliment. Adeline bien poussée. Petit garçon de la rue de René sans souffle. Non, je n'ai aucun biais. Je n'ai pas de biais. Quand on est là, c'est le livre qui m'a dit. Je n'ai pas de biais. Tranquille. Personne ne saute. Belle petite dame ça. Ou pas, je me prends son, prends ton shit à garder. Moi, quoi, l'île, il faut qu'on parle avec des choses de la vie, Mathilde. Son petit monde m'a dit la caille ici. Dès qu'il a des choses de la vie, je m'en parle là. Allez. Parce que talent, ma bouteille doit examiner et pas besoin ça. Non, moi, je pas que ça, pièce de chita. Au contraire, je vais faire quoi content. Je vais nous remettre qu'à la loupe, viande. Ou à fond, tu goûter. Ou à fond, tu vicieux, mais faut mal aller, oui, faut mal aller, pas carré. Bon, en tout cas, on va goûter. C'est un bel bon. C'est un bel. C'est où faire? Naturellement, je vais organiser tes affaires. Toujours fait manger. Qu'est-ce que ça fait ici à égaré pour c'est ça à boire bac après 20 ans de mariage. Quand la loue encore maman, oh. Ou qu'on aime pas remer ça. Adeline, ou pas qu'on soit perdu. Bon, si moun pas contrôler me manger non moi-même. C'est ça ma ou pour manger. Ou vle li, ou chita, ou manger, ou pas vle li quitter. De toute façon, on pas faire souper. Faut mal les mesdames. Bon, chérie, me pas kembo. OK, bye bye Marlène. Ma fait ça plus souvent. De quoi okay. Tout. Jean? Marlène? La plus belle tombée, je dis. C'est jeudi, pas contre la veille. Content, oui, j'ai même pas qu'à arrêter par la voix jeudi, hein? M'a tourné mes nouvelles. Bye bye. Grand-mère Mathilde était très sévère, contrairement à grand-père Jean qui était plutôt du genre pour rianiste. Moi, j'ai un peu parlé, toi, faut-il manger, chérie? Bah, oui, mais oui, t'es qu'à la loi. Jean, pourquoi n'aime trouver Malène dans le rôle? Il lui parler les choses de la vie. C'est dit là, dit comment me dit que petite moi, oui, qu'ils ont trouvé dans ça même. On va trouver rien drôle là ça chérie. Ah bon? L'autre là ça, maman pas comme mettre au chita pour parler avec vous. L'aime de là ça. Ça gagne Mathilde. On trouve au loin. Donc, vous trouvez que Malène a raison. Hein? Je connais tout samedi dans la caisse à la chambre. Je connais ça, oui. Ça, tu me fatigues. Je vais le reposer. Et toi, ça? Ma grand-mère était celle qui portait le pantalon. Alors que mon grand-père, lui, ce qui l'intéressait, c'était son travail et sa lecture. François lui avait un ami, un confident, un complice. Il s'appelait Robert. C'est où m'appelle là, François? Ah, pas moi. Si les anges bon vague, ça dit. Bon vague? Est-ce que je me semble honnête comme cabaye vague? Hein? Où est-ce que tu es? Hein? Hein? Je viens de dire ça là, et petite dame l'autre jour. Que? Jacqueline, tu vas te bon vague? Jacqueline, non, Jacqueline. Malgré lui. Alors? Alors qui ça? Dis-moi ça réglé. Qui bagarre maintenant aussi Maril. Jolé. C'est pas là. Ouais ouais. On prend deux. Comment on va là frère? Non mon cher, quand là non mais nous chaudir. François et Robert étaient inséparables. Ils se racontaient tout. Allô? Juscelin?
Je ne parle pas avec petit. Retriquez nous, prenez le téléphone. Oh, à qui est-ce que vous parlez là? Fredo, il y a un peu de ça. Comment fait la carole ça? Mon papa pour parler? Ah, quand est-ce que vous pouvez entrer? Bon, juste l'entendre. Où elle a fini quitter avant là, me rencontrer avec un petit tonton. Adeline, bon, je cherche un ménage, je m'adore pour un petit tonton. Ah, je cherche ce robe là. Je pas folle. Bon, sous elle, Ghislaine, petite, on fait folie pour lui. C'est vrai? Tu vas quitter moi, non? Qui l'a présenté? Comment? Qui est-ce que vous présentez là? Qui est-ce que vous présentez? Il m'a mis au téléphone, mais Ghislaine. Et mes enfants pour aider. Ça pour me dire. Comme baronne, dit les machines en son. Bon, regardez petit bonhomme, et puis moi je ne sais pas vous dire. Au fait, où allons-nous match volleyball la nuit? Bon, vous connaissez, Marilo. Bon, t'aimes qu'il te voit la ménage, je ne veux pas fâcher l'un des. Il va la permettre. Est-ce que ok? Mais oui, ok. À demain. D'accord, à demain. Ce François que maman avait rencontré commençait déjà à hanter son esprit. Elle vivait un moment qu'elle n'avait jamais connu avant. L'envie de composer le numéro inscrit dans son cahier la démangeait. Mais elle hésitait et préférait se pencher sur ses notes. Hein? Vous voulez dire qu'on va même qu'on numéro de dame là? Et pour Marel, comment est-ce que c'est? Bob, d'amour. C'est la première fois que je te donne d'amour, François. Bon, tête, vous entendez? Nous suivons le côté d'amour arrêté. Qu'est-ce que j'en ai là encore? Adeline. Oh, Adeline! Ah, tu viens, chérie! Ah, comment est-ce que c'est? Il va comprendre, c'est? T'as un chambre bagaille pour moi? On va sortir ensemble, ça dit. Bon, m'pas qu'on est. Depuis que je me rencontre avec Adeline, après, tant pis, tu me changes. M'chaud, m'frette. Bon, il est vraiment chaud, frère, oui, là. Faut être docteur pressé, garçon. Pressé, non, Bob. Bon, enfin, sans faire joujou. Chantal. Comment elle arrive encore? Qu'est-ce que c'est? Il va. Oh, bah, il va. La guerre, non, même, non. Bon sang, cigarette, là, c'est moi-même qui t'a fumé, François. Non, c'est... Bonsoir, monsieur. C'est pas bien moi-même, c'est toujours l'autre bon. Bonne nouvelle. Bonsoir, monsieur. Je ne vais pas mal, non? Je m'en vais virer. Ah, ok. On va être dans le match. Qui match, là? On match volleyball. L'équipe de l'école, Cap Jeune, pour le Saint-Pierre. Vous pouvez faire mécanicien ou machine, non, moi? Je fais ça demain, bonheur. Qui sera réglé pour pas gagner temps? Si la machine n'a pas rangé demain matin, ou pas faire une botte? Pas besoin qu'il t'ouvre, papa. Et là, il y a 5 gouttes dans mes petits garçons. La toscade, papa, grand monde a payé des travails et puis tout le monde a dépensé l'argent. Moi, je gagne 5 gouttes, mais venez. Au revoir, monsieur. Tous les samedis, à cette époque, le rendez-vous des jeunes était au Collège Saint-Pierre pour les championnats interscolaires de volleyball. Et c'est là que François allait encore revoir maman. Si vous le mêlez. Je te laisse. Ghislaine. Bye bye. Ghislaine. Bye bye, Adeline. Bye bye. Comment vas-tu, Adeline? Je vais bien. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Hein? Moi non plus. C'est drôle. Je trouve que quelque chose a changé en toi depuis la dernière fois. Ah oui, quoi? Je ne sais pas. Je te trouve plus épanoui. Moi aussi, j'ai l'impression que quelque chose a changé en toi. On dirait que tu es plus mature aujourd'hui. C'est un poison pour impressionner moi. Adeline, tu sais, depuis la première fois que je t'ai vu. Je sens que tu vas faire une phrase. Adeline, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je ne t'avais pas promis que tu allais t'appeler, François. Adeline, depuis la dernière fois, moi, je suis en pile de mon futur. Ma côté ou? Et. Oubliez tout ce que vous pour dire. Vous avez dit que vous avez oublié ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez dit menti. Adeline, je t'aime.
comme ça même. Puis t'en m'allez. Adeline. Bye François. Ça va cela François. Ça va nous bon. Mon problème avec François. C'était la première fois que maman entendait ces mots prononcés à son égard. Cette déclaration inattendue avait fait vibrer toutes les cordes de son cœur. Où suis-je ça? Ah ma chère, moi connais où peut démêler ma hymne soleil. Eh bien ok, n'arrête pas parler, c'est ça. Adeline, Adeline. Oui maman. Il y a un rapport pour vous. Rapport pour moi, maman. À qui les six garçons sortent l'autre jour à l'on sort de l'école là? Qui le ça? Pas venir proposer imbécile ou pour prendre des qu'il est. Ou tellement de petits garçons pour pas avec eux, oublier qu'il est. Maman, soit dit comme ça. Ça m'a dit comme ça. Vendredi, ou tes petits garçons te mettent à genoux dans la rue. Petit garçon, ça, maman. Je ne pas même reconnaître lui, mais. Je ne pas même reconnaître lui. Bon, quand on sorti? Après-midi, je suis allé dans le volleyball. Je te dis ça, maman. Dans le volleyball. T'as pas rentré? Petit garçon, pas reconnaître ta l'idée là tout. Où il était là, mais. Eh bien, Meli, je sentis ça. C'est là que nous prenons rendez-vous, nous, alors. Maman. Bon, vous comprenez, à partir d'aujourd'hui, pas de sortir pour vous dans le cas ici encore. Maman. Regardez, ou à moi même, petit temps, si vous faites le monde, ça. Si vous ne parlez pas de virer le monde, vous virez tête, pas de tête. Ça me fait, maman. Ou à l'encaï ici, pas de vacabon qui vient de travailler, petite fille. Et puis, à partir d'aujourd'hui, après des romans, photos, moi, on perd des lions, fait tout disparaître dans le cas. Ou même mon chita là, on va dans rien. Ça, vous voulez me dire, chérie. Vous avez raison, doudou. Marchez donc, marchez. Je vais aller en porte frappée, je vais regarder si ce n'est pas François qui est rentré. Quand on est énervé, on fait ça. Il est 11h du soir. Pour monter cabane, on dormit. Non, on va veiller qu'il est François à côté. Antoine, nous comptons comment là, oui, on est. Gisèle, son garçon m'a élevé. Je vais aller pour le mouiller dans la caille. Alors, bâti bois là, on souffre pour le cabane dans la rue. Moi-même, je souffre pour me dormir. Le père de François, Antoine, était un vrai dictateur. Il exerçait une grande influence sur sa femme Gisèle qui n'avait pas droit à la parole à la maison. Il élevait son fils comme un petit coq, comme on dit souvent ici. La déclaration de François après le match de volley-ball avait beaucoup bouleversé maman. Elle ne savait quoi faire. Appeler François ou demander conseil à son amie Ghislaine? François, lui, était très demandé par la gente féminine. Il était beau parleur. Ah, on défendait ses pouvoirs. Allô? Oh, Mimose. Ouais. Hein? Bon, écoutez, nous avons fait là. Je vais à l'hôpital. Moi aussi, chérie. Moi aussi, chérie. Qui l'a quitté? Oui, j'ai dit ça pour le quitter, mon repos. Ça va, ça l'a quitté, mais non, bonne parler français, bien. Pourquoi on n'aime pas ça? Depuis qui est ça? Ah, bon. Et puis. On va faire parler de Adeline là, non? Si c'est pas ça, dis-moi mal. Dis-moi là pour nous border 100 points. Et Jessica? Oui, mais c'est toi. Et pourquoi je vais être là sous frigidaire pour moi? Et puis si on m'aide pour moi le téléphone, dis-moi là. Allô? Monsieur François? Il va là, non? Qui est-ce que m'a dit qu'il a demandé pour lui?
Mademoiselle Adeline? Hein? Allô, allô, Adeline? Maintenant que je te parle, je vais bien. Tu as fait le bon numéro. Ouais. Hein? Ouais, moi aussi. Sale Dieu, sale Dieu! Ah, yon ben bagay, Ghislaine, pas qu'à songer. Oh! Allez, Ghislaine, oui! Ah, qu'on y a un secret pour Ghislaine, pas vrai? Ouais, ok. Voilà, Ghislaine, je le parle, libre, chère de poule. Et puis, comment qu'on nous. Allez, dis-moi, je vais venir la caille, moi. Qui ça? La vie fait la demain, mais. Et puis, qui t'est venu? Ou fou, Ghislaine? Moi, je t'ai tué. Ça, je ne sais pas qui ça, moi, je viens. La femme passe dans Jésus-Aiguille. Eh ben, il doit faire mes opposes, lui. Bon, on est. Moi, qui laisse qu'elle dise ça, non? Pas même dans rien avec tes garçons, même. Ouh, il y a une fraîche, même si je t'ai secoué. Non, mais ça, c'est comme ça. Mon veille, ça fait mon yon entre bouche dans le sac, pas garder. Oh, wouch! Oh! Regarde, je m'en parle de fond, là. Mon moi, papa, pas là. Voilà, non, vous êtes ici. Vous connaissez moi, je fais toute une histoire l'autre jour, je me dis que mon frère soit dans le volleyball. C'est fort, tout le monde a cherché des bagailles, vous pas dit. Il demande de me battre, il m'a dit. Ouais, ouais. J'aime toujours. Je ne parle pas de mes situations, ça même. Oh, Adeline. Son bel regard, vous n'avez pas de connaître. Qui m'a acheté? Oh, regarde ça. Son cadeau me recevoir. Pour moi avec papa, pas je me quitte me sortir, pas je me gère occasion pour me mettre. Sinon fait la caille seulement eux qui t'es malé, même ça c'est non du. Sortir pas capable encore. M'a tout fait nous caille ça. Ça va pas dire ça. Papa, c'est pour Yannis. Tout ça on me dit c'est ça. Ni maman, ni papa, ni pas jamais gère temps pour moi. C'est al travail, rentrer. Manger, mime. Mon cher, je dis un bagage. Il y a un gros grand merci, pas vrai? Eh bien, fais-nous un gros bon bagage. Maman décida de suivre le. Ça va. Comment tu vas là? Ok, la soirée, le grand monde. Ah, ma chère. C'est pour ça que je me dis, papa, tout. Je ne pourrais pas rester longtemps, non, François? Ben, c'est pas grave. Je voulais juste te voir une minute. Adeline, j'aimerais que tu me crois quand je te dis que je t'aime. Je voudrais bien te croire, mais c'est tellement rapide. Arrête de me regarder comme ça. Tu m'intimides. On ne t'a jamais dit que tu avais de beaux yeux? Non. Tant mieux. Je suis donc le premier à te le dire. Tu ne dis plus rien, François? Laisse-moi faire provision de ta beauté. N'est-ce pas? Adeline, je voudrais un baiser de toi. Quoi? Un seul baiser de toi ferait mon bonheur. Tu ne me demandes même pas ce que je ressens pour toi et puis tu me demandes un baiser? Je peux sentir ce que tu ressens pour moi par le ton de ta voix, les tremblements de tes mains. Petit prétentieux. Dis-moi alors que je me trompe. Mais maman. Qui côté? Papa Déa. Qui m'a fait me sortir? Pas de chien? Bonsoir maman. Comment vas-tu? Bonsoir papa. Comment vas-tu ma fille? Pas de monde qui relè moi? Non, personne pas relè. Nous avons très bonheur. Eh bien chérie, t'es bon. Viens en bouteillage. Comme moi, t'es bon, que tout le monde est bien content. Oh oh. Mais bon, pourquoi on s'en pas fait la gueule là? On s'en dormi plutôt. En tout cas, tu vas rendre les deux et ça doit. Il s'en est fallu de peu pour que grand-père et grand-mère les surprennent ensemble.
Cette expérience, bien que stressante, était aussi excitante. Le cœur de maman battait plus fort que d'habitude. Elle commençait à prendre goût à l'aventure. Dans son petit cœur de jeune fille, maman commençait à trouver un sens à l'amour. François commençait à concocter des plans avec son ami Robert. Dans qui dictionnaire, ouais, français pas marché, hein, bon? Hein? Tu voulais t'imbarrer une place, yo? Ah, bon, c'est pas ça, français. Un peu de kilomètres, allez, François, bien dit, moi. Comme son seul bar qui est dans la tête. Et il pas dans la tête. Ah, bon. Pendant ça, dans la tête, mais vous bar, mais j'en fais pour moi. Un coup d'eau, comme Dieu. Tu es fou, François. Non, pas capable. Oui, je t'aime, mais pas capable. Je ne vais pas arrêter mon téléphone, non, ok? À qui est-ce que tu as parlé là? Ah, y a un monde qui fait mauvais numéro, maman. Attention, hein? Où est-ce qu'on conduit? On est fréquent là-bas. Bon, bon, yeah. Machine de faire gaz, oui. Alors, pour une bonne machine, et puis pour une bonne gaz, tout? Bon, amitié trahie. Ça sent. Tu restes goutte seulement. Ça peine 3 gallons de gaz là-bas, c'est lui aussi. Eh bien, c'est Gonaï, vous parlez? Fais attention, oui. Et bien, tchak pour machine. Pas misé, non? Oh, on ne peut pas me s'inquiéter. Maman! François avait fini par convaincre maman de tromper la vigilance de grand-mère pour le rencontrer. C'était la première fois que maman osait faire une chose pareille. Tu es belle aujourd'hui, chérie. Oh, m'oblige de dire que c'est une fête, mon bralé. Mon frère, soit je parle de mes situations ça même. Depuis que je me rencontre ensemble avec ma baille, mon lacay, je me dis, parle de ça. C'est pas grave. C'est pour la bonne cause. François, ça gagne, chérie. On connaît mon ça yo. Moi j'ai l'impression que c'est toi qui fais Mathilde là. Bonjour. Chérie, bien les besoins de repos. Ouf, elle avait échappé belle. Cette promenade semblait trop durée, du moins pour Robert qui avait pris le risque de prêter la voiture de son père à François. Il devenait très impatient et s'inquiétait. Tu peux me déposer ici, je ferai le reste à pied. On n'aurait pas dû, François. Mais chérie, je t'aime. On n'aurait pas dû. Comment tu te vas sans m'embrasser? Le sourire sournois de François traduisait la satisfaction qu'il tirait de ce qu'il venait de faire. Maman, elle, les pas lourds et l'âme troublée, avait le cœur serré. Toute son innocence, cet après-midi, l'a été partie. Thank you.
avec tout problème que vous mettez là, vous avez dit que c'est François qui a parlé, non? Allez, non, mon cher. Parce que vous avez dit que c'est facile. Ça m'y a souké dans la forme de Julien avant. François, ou enragé. Vous voulez dire que je vais mettre capote? Vous voulez dire que vagabond. Mais ou même ou débordé. Ça peut pas être une vieille maladie. Bob, si la morale ou une femme là, puis toi aller. François, c'est pas la morale ou une femme, non? Mais seul bagaille m'a dit ou enragé. Chita non, bon vertige. Oh, petite. Ok. Oui. Ça le gagne. Eh bien, poisson aussi, mon lit doit te manger à balti de l'eau. Mais nous, tout te manger poisson, nous pas de gagner. Oh. Oh. Fini, fini, te rad sou pour m'capable mener au docteur. Comment est-ce que ça c'est mieux. Non, mais mettez radou sous pour me non kay docteur. Non, c'est pas nécessaire, me sentir mieux. Si pas sentir bien ma fille, on va téléphoner le travail là, t'as ou quoi ça? Ou qu'a quitté où? Oui. On allait Mathilde, n'a pas retard. Mais attends, on nous mène coucher. Allez non. Nous reposons. Dès pour pas bien, venez nous, t'as oui. Maman, malgré elle, avait suivi les conseils de fond. Jeannette! Oui, ma fille, oui. Je t'ai bouteille ça pour moi. Pourquoi ça veut dire que je t'ai bouteille ça, mademoiselle? Fais-moi cadeau là. Je t'ai loin, me dis-moi. Maman attendait patiemment les effets de cette potion qui tardait à arriver. Elle n'a pas marché, non, Bob. Elle n'a pas marché. Mais dis-moi, tu as marché, Bob. Mais comment c'est, non, papa? Je ne sais pas, non, Bob. Tant pis. François, je te pose une question. Où est Madeleine, pas vrai?
Pas connaît non Bob. Bon. N'a pas obligé passer à la solution numéro 2. Solution numéro 2 amené. Non, François, m'pas vle. Adeline, si tu m'aimes, si tu m'aimes vraiment, fais-le pour moi. Je veux dire, fais-le pour nous. Si tu m'aimes, François, c'est le moment de me le prouver. Adeline, je peux te garantir que tout se passera bien. Ne me touche pas. Tout se passera bien. Mais oui, François. François, je ne peux pas forcer à prendre responsabilité ça. C'est faute moi tout. Je devrais prendre ça depuis un vent. François, si vous n'êtes pas capable, vous te mettez à aller. François, où vas-tu? François! Qui sort-il là? Qui sort-il là? Hein? Qui sort-il là? Calme-toi, Mathilde, calme-toi! Calme-toi, blague, je m'en fous! On sort rien, Mathilde! Après tout sacrifice, ça, on me fait pour tout le monde, pour ce sabre, on me met mes amis! Mathilde, comment ça énerve? Comment on commence à nerveux là? Allemand de l'antique, c'est de toujours. Qui ça qu'elle gagne? Jean. Adeline enceinte. Et c'est foutu même qui est responsable. Adeline enceinte? Oui, Adeline enceinte. Toujours nous chita, on livre moi pour un poste intellectuel. À peine manger, faire vent tout gonfler. À gonfler, à dormir. Et tout en tout à la vie. Bonjour Mathilde, ça va petit. Là, on a toujours dit que ce n'est pas empêcher le sortir, ce n'est pas serrer le lit, ce n'est pas parler fort avec lui qui va empêcher de faire bêtises. Je dis à ma bonne raison. Mais oui, ma bonne raison. Parce que c'est moi-même, c'est moi-même qui ai chahi. Mais oui, papa lui-même, qui laisse pour côté femme, tu as fait bêtise là. Au moins, capable de dire pour qu'il laisse. Toutes les peines du monde étaient chez maman. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Non, merci. Excusez-moi, madame, de vous avoir fait attendre. Bonsoir, monsieur. Chérie, tu veux offrir quelque chose à madame? C'est déjà fait. Alors, je vous laisse. Non, non, madame, restez. Je vous en prie. Je voulais vous parler à tous les deux. Voilà, c'est un peu difficile. Aussi, je ne sais vraiment pas et par où commencer. Bob, je suis là. Maman a dit qu'elle est là. Je suis venu, je suis venu pour le virer. Je suis venu. Madame, je vous ai suivi attentivement. Mais que voulez-vous que je fasse? Écoutez, je me charge de couvrir tous les frais de la clinique et les honoraires du médecin. Oh. Attendez, je vais chercher mon chéquier. Vous m'insultez, monsieur. Je ne suis pas ici pour vous demander de l'argent. Que me voulez-vous alors? Chérie! Pas interrompre l'homme à parler, j'ai déjà dit ça plusieurs fois déjà. Madame qui aime très tirer à vous. Son jeune petit garçon qui est dans le cas là m'a pilvé. Il faut qu'on finisse l'école, il va travailler. Alors son code nous besoin passer dans le coule avec un bloc marie la dedans pour le faire fond. Ça c'est sous cadavre pour nous passer. Et puis madame, qui me dit que mon fils est le père de l'enfant que porte votre fille? Écoutez madame, acceptez l'argent sinon je suis désolé. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Ce jour-là, grand-mère avait senti le ciel lui tomber sur la tête. Elle venait de subir l'affront le plus humiliant de sa vie. Grand-père et grand-mère étaient très affectés par cette nouvelle. Ils craignaient les qu'en dira-t-on. Il fallait donc à tout prix trouver une solution. Bois doucement, chérie. Pour pas bouler. Pourquoi vous m'avez dit que vous avez boulé un pire? Parce que ça me saute pour là. Mais si vous avez dit que c'est ça, vous avez fait. Madame Clitoral prend un souffle de ça. Pourquoi c'est Malène qui a raison? Si je suis chita, je ne suis pas là, Kadlin.
te bal conseil. Il t'a coûté moi mal le sexe ça pas t'arriver. Mes amis Jean, qui ça nous bral dit, qui ça nous bral faire? Ça pour le faire. Et la solution, c'était d'envoyer maman à Jacmel pour planter sa grossesse, mais surtout pour la soustraire des yeux de la société. À Jacmel, maman vivait avec sa grand-mère et Mimine, qui était très attentionnée et prenait bien soin d'elle. Je vais faire un bon bouillon pour vous avec bon légumes là-dedans. Moi, je suis sûr après-midi. Je n'ai pas un appétit, mémé. Oh. Ok, 4 mois pour aller en quoi grossesse là. Si pas manger, petit la pape se tient en bonne santé. Sans so, gagner. Pour changer mon porte au prince. Je songe l'école, moi, zami mio, papa, maman. Tu sens avis à tout? Comment tu es là encore? Hein? François, il est parti sans avis, mémé. C'est pas faute lui seulement. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. Je suis ensemble. En tout cas, je ne peux pas oublier dans l'état ça encore. Chérie, où tu es fort, non? Qu'est-ce que tu as pour moi? Mimine! Je suis dans le monde dans la barrière, oui. Regardez ça, le besoin pour moi, tant pis. Adeline, moi je veux tout 32 dedans yo deux. Fais ça pour lui. Mais maintenant là, où sent-il? Où sent-il? Ah, ça, son coup de pied comme ton petit fil à pied. T'as content? Oh, voilà, c'est comme ça moi même. Excusez-moi, même que n'a mangé, c'est un monsieur qui veut faire ça pour me remettre mademoiselle Adeline. C'est maman qui écrit ou? Je vais regarder qui peut manger à eux. Mimine, faut des bâtons pour moi, s'il vous plaît. Yes. Oui, ma fille, ça va aller le matin. Ma chérie, pardonne-moi d'avoir gardé le silence aussi longtemps. J'étais désemparé. Je ne savais que faire, quoi dire. Mon père m'a fait une scène terrible. Il ne me parle même plus dans la maison. C'est dans le silence de ma chambre que je t'écris. Je pense à toi. Ton absence me cause une peine qu'il m'est difficile de décrire. J'aurais aimé être à tes côtés pour te caresser le ventre, te dorloter, te combler d'amour. Mais hélas, reviens-moi vite. Je voulais dire, revenez-moi vite. Je ne pourrais pas supporter trop longtemps ton absence. À ton retour, je t'épouserai. Je sais que tu es fâché contre moi, mais je ferai tout pour me faire pardonner. Je t'aime. C'est la bonne de chez toi qui m'a donné ton adresse. Cela m'a coûté 10 gouttes. Puis, les lettres commençaient à devenir très rares. Oh, Dieu, n'est pas moyen là. Et bon, panne. Bon, son panne fait quoi là? Oui, et puis c'est dans la station, on t'a dit, oui. C'est vrai? Même pas pourtant rien pour nous. Pas pourtant rien pour moi. Bon, eh bien, l'autre aller va remettre ça à moi. Eh bien, ok. Ok, bye bye. Ok, merci. Maman écrivait toutes les semaines une lettre à François. Et toutes les semaines, elle attendait le retour de Dieudonné, le chauffeur, dans l'espoir d'en recevoir une. Mais en vain. Adeline, à part ta que manger, hein? Ça gagne. Je ne peux pas manger, mémé. Tu ne peux pas recevoir l'autre lettre? Non, beaucoup. Eh bien, c'est période d'examen. Il doit étudier. Il est fatigué. L'heure après ce qu'il dit. On tient fort encore, non? Mangez-nous. Tu n'as pas un appétit, mémé. Tu es fatigué. Eh bien, allez reposer.
D'un jour à l'autre, maman allait accoucher. Elle préparait avec beaucoup d'amour la venue de son bébé, le fruit de son amour. Elle souhaitait que ce jour arrivât le plus tôt que possible pour pouvoir plier bagages et retourner enfin à Port-au-Prince. Mais surtout pour rejoindre son François et commencer une vie nouvelle. Tous les jours, toutes les nuits, elle pensait à François. Et tous les soirs, religieusement, elle posait la photo de François sur sa poitrine et puis s'endormait. Mon cher François, cela fait déjà 3 mois que je n'ai pas reçu un mot de toi. Que se passe-t-il? Tu es malade? Fais un effort pour venir à Jacmel. J'ai envie de te voir. Ma grand-mère et ma tante voudraient te rencontrer. Maman et papa étaient venus me voir la semaine dernière. J'étais contente de les voir. Je t'aime. Je t'attends. Ton adoré, Liline. De temps à autre, elle se faisait un devoir de visiter l'une de ses tantes, la plus jeune sœur de grand-mère, qui n'est plus aujourd'hui malheureusement. Cette tante vivait seule comme une ermite dans une maison modeste au milieu de son jardin. Elle était différente, mais très ouverte. Et c'est elle qui devait dévoiler à maman des secrets que grand-mère avait précieusement gardés. Un jour, pendant vacances d'été, un petit jeune homme qui saute Port-au-Prince, qui vient de la famille, Jacques Mel. Un petit jeune homme d'intérêt, Claude. Bel garçon devant Dieu, devant les hommes. Et puis bouche-lui, doux. Bon, qui j'ai maman, t'es rencontré Claude. Mais ça, bagay me connaît, c'est que j'ai même mes pieds. Et puis, vacances étaient finies, Claude venait pas ton presse. Et puis Mathilde l'enceinte. Personne ne par contre ça. Un jour, Mathilde prend l'école, elle est tombée. Et puis il tombait saigné. Le ça, tout le monde vient comme ça passé. Bagay ça font scandale dans la ville Jacmel. Il était maquillé maman en pire. Où est Liline? Si maman Dieu avait, c'est même erreur que le pavlo fait. Mais, les gens n'ont pas de compte qui j'en voulais empêcher ça. Mais ma tante, c'est pas même bagaille là. Le soir même, les gens m'ont marié avec moi. Le mariage là, il faut venir, oui. Il faut faire même venir tout et il faut venir avec Mimi. Pourquoi même qu'on se voit, Liline? Sans penser de jardin. Ça, c'est m'arrête là tout le temps. Il y a la seule là, m'a bien habité avec François. M'a p'tit, nous, chérie. Maman refusait de perdre espoir. Elle s'accrochait à ses rêves avec beaucoup de force. Très souvent, sur son passage, elle rencontrait un paysan, une vieille connaissance de ma mère, qui lui disait des choses à dériver son cœur. Bonjour, Pépé. Oh, oh, Adeline. Ça fait longtemps, papa. Oh, what you say? What news?
Mais vous toujours à plaisanter. Mais guettez non. Ça fait longtemps que vous faites ça. J'aime ça et là, soit son tu garçon ou bien son tu fille. Eh bien, vous allez même prétendre. Ok. J'en cherche, j'en trouve mon père. Vous allez me couper, attendez. À quel bois pas utile, oui, ça. Puis, religieusement, elle se dirigeait vers la maison de Dieudonné, avec l'espoir de recevoir un mot, une lettre, une bonne nouvelle. Oh, bonjour Lily. Bonjour Dieudonné. Bon, pour toi et moi. Bon, camion en panne, pas dans tes progrès. Bonne nouvelle, ma mère. Il n'est pas plus mal, non? Ouais, dis-le bonjour, moi. Mais oui, l'on a pris un drapeau de ça, moi. Ok. Ok, bye bye. Merci. Bye bye. Mon cher François. C'est la 10e lettre que j'ai écrite sans réponse. Je sais que tu es sûrement très préoccupé par tes études. Mais au moins, envoie-moi une carte. Un seul mot suffira. J'ai besoin de toi. On doit fixer dès maintenant la date de notre mariage. N'oublie surtout pas ta promesse. Jamais une fille n'a été aussi courageuse, aussi forte. Elle espérait encore. Elle écrivait et écrivait encore. Elle aspirait au bonheur et y croyait de toutes ses forces. Et c'est ce soir-là que je suis. Et c'est comme ça qu'il porte. Je n'ai jamais connu ma mère. Je ne lui pardonnerai jamais d'avoir été aussi naïve. Elle aurait pu se protéger, je sais pas moi, des préservatifs, des pilules, n'importe quoi, ou tout simplement résister. Et tu ne serais peut-être pas là pour me raconter son histoire si c'était autrement. Qu'importe, elle serait toujours en vie, elle aurait peut-être d'autres enfants. Tu ne sais pas ce que c'est que de grandir sans père ni mère. J'ai eu la chance d'avoir une tante qui ait consenti d'énormes sacrifices pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais malgré tout, ces cicatrices sont là dans mon cœur. Et c'est en ruminant l'histoire de ma mère que m'est venue cette peur de me laisser aller, de me donner. Cette
peur d'aimer. Je suis désolé. Vraiment désolé. Je prie le ciel pour qu'il m'aide à vaincre cette peur. Je suis stupide. Mais non, mais non. Tes amis arrivent. On doit partir. Mais moi aussi, j'ai des choses à te dire. Non, il se fait tard. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi? Tu le liras quand tu seras seul. Viens, je n'aimerais pas qu'il me voie dans cet état. Et attends-moi. Ah, elle était là, cette bouteille de vin. Tu en veux un peu? Bah, avec plaisir, hein. Il est très bon, j'en ai gardé une bouteille des fiançailles. Alors ça va? Ça va Grégory. J'ai pas l'impression que ça va, non. C'est comme si t'étais une plante qu'on n'avait pas arrosée. Et là, on arrive à Jacmel, et ça y est, t'as de l'eau. Il va falloir que tu prennes une décision, je pense. Je pense que je suis peut-être le seul à pouvoir te dire ça. Donc j'en profite tant que je suis là pour te le dire. Mais c'est comme si tu subissais la vie, j'ai l'impression que tu vas pas bien. Donc, je pense qu'il faut que tu prennes cette décision. C'est une décision qui va changer ta vie, hein. Enfin, en tout cas, quand tu auras pris ta décision, tu viendras me voir. Et là, je te dirai, ouais, ça va. T'es en forme. Ok? Bon. Cela dit, je vais me coucher. Bonne nuit, Grégory. Bonne nuit. Ciao. Merci. Je croyais que... mon cœur fermait à l'amour... serait insensible à... son regard si doux et à son tendre charme. Cœur prie ailleurs, ne doit surtout pas succomber. Je l'aime déjà, j'ai tellement subi, je ne veux plus souffrir. La... À qui le rentrer, maman? 2h du matin. L'école lag. Bon, ça passe au pas manger matin. Ou d'amour, ça. Tilda, on va faire une bêtise. Une bêtise, qui bêtise? Mais bah, ouais, j'ai un billet à côté, pratiquement, dire que moi-même. Ah, bêtise, ça. Bêtise, tout le monde qui fait que moi, il faut pas jouer avec quelqu'un comme ça. Ah. Mon Dieu, je m'entendais à frapper n'importe quoi. Attends, moi, regarde ici. Je suis là. Petite, j'ai l'impression. Où prends? Tom, braille. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as bien dormi? Je pourrais dormir encore un peu. Écoute, Roger, je suis désolée pour le billet. J'aimerais que tu me le rendes. À tes guises. Mais je ne l'ai pas avec moi et je voudrais que... qu'on se parle. Eh bien, rentre. Nous allons de préférence à la maison, on sera plus à l'aise. Mais il y a beaucoup plus de monde chez toi qu'ici. Mais non, les autres sont sortis. Alors? Attends, j'arrive.
Je reviens. Ouais, peut-être. Pas fait notre bêtise, non? T'inquiète pas. Alors, on y va? Oui, on y va. Le soleil te gêne? Non, ça va, ça va. Tu es sûr que tu veux pas me faire? Non, ça va. Le bal était très intéressant hier soir. Ouais. C'est ça que Grégory et Philippe sont restés jusqu'à 3h du matin. Ils sont rentrés complètement ivres. Qu'est-ce que tu fais plus tard? Moi, je reste à la maison. Je ne sors pas. Et pourquoi? Oh merde. Écoute, retourne chez toi. Je te dirai plus tard. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien, tout va bien. Écoute, je t'expliquerai plus tard, d'accord? Mais tu es sûr? Ne reste pas là, je t'en prie. Ça ira. Merci. Mais, Joanne, qu'est-ce que tu fais ici? J'oublie la bonne manière, chérie. Même pas un petit bonjour. J'ai voulu te faire une surprise. Tu as l'air surpris, très surpris. Je m'attendais pas à te voir. Bon, eh bien, ça a marché. On dirait que tu as grossi. Tu manges bien ici? Oui, la nourriture est très bonne ici. Excuse-moi. Vous auriez pu faire le ménage. Tu cherches quelque chose? Est-ce que tu aurais pris quelque chose de ma chambre? De quoi tu parles? Sois plus spécifique. Ça n'a pas d'importance. Assieds-toi, je vais te parler. De quoi tu veux me parler? De nous. Je t'écoute alors. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire? Non, je t'écoute, c'est plus important. Écoute, Joanne. Cela fait très longtemps que l'on se connaît. Et nos familles aussi. Nos pères étaient de très bons amis avant qu'ils ne périssent ensemble dans un accident de voiture. En effet, le mien serait encore vivant si le tien avait un petit peu plus d'égard pour le code de la route. Joanne, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour toi. Mais depuis quelque temps, je me pose des questions sur notre relation. Sur l'avenir de notre relation. Tu sais, je crois que l'air de Jacquemin ne te va pas bien, finalement. Je suis un petit peu fatiguée, je vais me reposer. On commence ça plus tard. Assieds-toi, Joanne. J'ai pas envie de m'asseoir. Je te dis de t'asseoir. Cela fait trop longtemps que j'avale tes saloperies. Ah bon? Et que je ne ressens absolument rien pour toi. Je ne vais pas traîner toute ma vie ce sentiment de culpabilité, ce remords que tu veux m'imposer. Mon père, lui aussi, est mort dans cet accident de voiture. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Au contraire, l'air de Jacquemel me va merveilleusement bien. Il m'a permis de réorganiser mes pensées, de voir clair. J'ai profité du temps pour m'analyser et pour savoir ce que je ne veux pas. Ce que tu ne veux pas? Ce que je ne veux plus. Je ne veux plus être l'enfant soumis qui accepte tout de toi et qui tolère tes moindres caprices. J'ai fini par réaliser que nous avons des différences énormes et que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. En d'autres termes, je voudrais que cette relation s'arrête là. Tu sais quoi, Roger? Qu'on s'organise, ça te passera. Parce que tu sais quoi? Ce sera moi, personne d'autre. Ok? Étranger désire louer une maison meublée avec piscine. Avis de divorce. Autant pas se marier. Tu me sers un verre? Un verre. Sec ou avec glace? Sec, je t'en prie. Stop. Merci, ça va. Hey, Grégory. Tiens, quelle surprise. Qu'est-ce qui t'amène? Je suis venu récupérer mon bien. Il n'est pas en sécurité avec vous. Bien. Et où étais-tu? J'avais été faire un tour depuis quand tu me surveilles. Écoute, je vais débarrasser ma chambre, tu pourras y dormir. Non, c'est pas nécessaire, on rentre à Port-au-Prince aujourd'hui. Hein? Comment on rentre à Port-au-Prince aujourd'hui? Tu es rentré seule si tu veux repartir avant la fin de mes vacances, vas-y. Pourquoi tu t'excites? Je reviens de la téléco, j'ai appelé Port-au-Prince pour avoir des nouvelles de ta mère. Il me semble qu'elle a eu une indisposition au cours de la nuit. C'est pourquoi je te le dis d'ailleurs. Comment elle a eu une indisposition? Je lui ai parlé hier. Elle allait bien? Je sais pas moi. Je refusais de t'exciter, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Attends, je prends mes bagages. Qu'est-ce que tu fais?
Ma mère ne se porte pas très bien, je dois rentrer à Port-au-Prince. Ah ouais? Tu veux qu'on vienne avec toi? Mais non, ça ira. T'es sûr? Absolument sûr. J'espère que c'est pas trop grave quand même. Je l'espère aussi. Tu expliques aux autres? Ok. Soyez prudents sur la route. Merci. Bye bye. Chouin, je suis désolé pour tout à l'heure. Non, c'est pas grave. Je comprends pas. Mais où est ton sac? Il est déjà dans la voiture. Ah bon? On y va? Mais que dit le médecin? Quel médecin? On a appelé un médecin au chevet de ma mère, non? Non, chérie, je suis désolée. Non, j'ai pas appelé. Ta maman va bien, ok? Quoi? Comment? Tu m'as menti au sujet d'une chose aussi importante? Mais je ne sais plus quoi faire. Je sais que tu me files entre les doigts. Je ferai n'importe quoi pour t'avoir. Ne me touche surtout pas, je t'en prie. Hein? Grégory, tiens. Où est-ce que tu vas? Tiens, c'est pour moi, je t'en prie. Où est-ce que tu vas? Je vais recommencer à vivre. Va te faire foutre! Tu penses que je ne suis pas au courant? Va baiser ta petite Jacmelienne et puis après ça, tu reviendras, je ne serai plus là. Merde! Je l'espère, hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voudrais te parler. Non, va-t'en, ne reste pas ici. Non, deux minutes, je t'en prie. Je n'aimerais pas que ta fiancée vienne et te trouve ici. Comment? Elle est venue ici? Tiens, je n'ai jamais été aussi insultée et indignée de ma vie. Je suis vraiment désolée. Non, c'est moi qui suis désolée. Je suis désolée d'avoir été aussi bête, aussi spontanée. J'ai cru pouvoir me débarrasser de ma peur, je n'ai fait que l'aggraver. Ne culpabilise pas, c'est moi le coupable. Toi, coupable? Comment serais-tu coupable? Tu ne m'as rien fait? Tu ne m'as rien promis? Tu ne m'as pas fait la cour? De quoi serais-tu coupable? D'être toi-même, peut-être? Aussi gentil, aussi charmant? Et de m'avoir inspiré des sentiments que je n'aurais jamais ressentis avant? Non. Je les ai vus venir. Et j'ai ouvert la porte de mon cœur pour les laisser entrer. Un cœur que j'ai cru imperméable à de tels sentiments. J'ai cru avec le temps me contenter de ce que j'avais sans me soucier de mon bonheur. Je ne croyais pas que le bonheur était encore possible. Et tu as tout changé. Tu m'as apporté la joie de vivre et je me sens bien quand je suis avec toi. Je n'ai jamais osé te le dire avant car je ne pouvais pas, mais... Maintenant, je sais que mon cœur peut encore battre. Arrête, tu as assez dit comme ça. Laisse-moi terminer. Je veux seulement pour terminer te dire que... grâce à toi, je sais que je peux encore aimer. Je m'en vais. Je pars demain. Elle et moi, nous avons rompu. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Sois assuré que tu n'as rien à voir dans tout ça. Adieu. Remercie ta tante pour son hospitalité. Merci. Pour chérie. Je sais ce que tu penses. Les hommes sont des salauds. C'est vrai. Mais celui-là, il m'a l'air sincère, tu sais. Ta bague. Merci. Attends, j'aimerais que tu restes encore. Et pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais te montrer de Jacquemin. Rien que ça, hein? Pas tout à fait. J'aimerais que tu m'aides à me débarrasser... à me débarrasser de cette peur d'aimer. Je ne sais pas si je serai à la hauteur, mais je voudrais bien essayer. Roger, je te croyais à port. Grégory, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as pu choisir ton moment, mon cher. On t'attend. Je suis avec les autres. Ah, ça va.